la flamme d'ascension pour la purification et la transformation. Une activité du quatrième rayon. Dans la contrée d'Égypte, sur les berges du Nil, se trouve un foyer de la grande fraternité blanche de lumière consacré à la préservation de la flamme cosmique d'ascension. Depuis des siècles, ces êtres dévoués ont planifié l'évolution de la race humaine en vue de l'époque extraordinaire que nous vivons présentement et que nous continuerons à vivre dans les années à venir. Toutes leurs énergies sont consacrées à l'élévation de notre planète et de la conscience de l'humanité pour l'ascension planétaire. Ces maîtres diffusent maintenant vers vous l'élixir de l'amour de leur cœur par les feux purificateurs de la flamme d'ascension. Inspirez-le profondément, bien-aimé. C'est le don qu'il vous accorde. Cette flamme présente la fréquence et les couleurs de 6 autres flammes. Vous la voyez ou la percevez comme une lumière blanche scintillante et resplendissante qui consume tout ce qui n'est pas la perfection de l'amour. Sa puissance et son rayonnement sont illimités. Son harmonie parfaite et sa beauté portent des univers tout entiers. Ceux qui l'invoquent et qui travaillent avec elle doivent se préparer à changer. Si cette flamme vous touche, elle vous transforme à jamais. Chacun peut travailler avec elle, mais seuls les initiés, ceux qui sont au seuil de l'ascension, peuvent se prévaloir de sa pleine intensité. Lorsque vous serez enfin prêt à franchir ce stade de votre évolution, vous serez alors immergé dans la fréquence de cette magnifique énergie d'ascension. Nous entendons souvent ceux qui se nomment les travailleurs de la lumière affirmer qu'en 2012, l'humanité tout entière ascensionnera dans la cinquième dimension et que personne ne sera exclu. Nous répondons, il n'en est pas ainsi. Il est vrai qu'une aide supplémentaire sans précédent sera offerte à l'humanité et que le processus d'ascension sera grandement facilité. Cependant, nul d'entre vous ne sera emporté dans le processus d'ascension jusqu'à ce qu'il n'ait satisfait à toutes les exigences et qu'il ait atteint cette fréquence de lumière dans sa conscience. L'an 2012 n'est pas le terme du processus d'ascension sur cette planète, mais bien le début d'un cycle d'évolution et de transformation de 2000 ans, au terme duquel la Terre sera devenue le joyau dans l'écrin de cet univers. Il sera exigé de ceux qui aspirent à l'ascension qu'ils guérissent et transforment l'ensemble de leur système de valeurs trompeurs et qu'ils intègrent l'entière vérité de leur nature divine. Ils devront aussi s'engager pleinement dans le processus d'initiation menant à l'ascension et remplir toutes les exigences. Chacun a une voie unique, et même si le processus initiatique est similaire, il se déroule difficilement pour chaque âme, selon son caractère personnel. Il est vrai que tous, sans exception, auront l'occasion d'ascensionner à cette époque, mais ce n'est pas tout le monde qui le choisira. Les âmes bien-aimées qui décideront de continuer à vivre dans la séparation ou qui ne seront pas encore prêtes à franchir ce pas évolutif, auront l'occasion de poursuivre ailleurs leur évolution, à leur propre rythme,
La grâce de l'ascension leur sera possible de nouveau plus tard, lorsqu'elles en feront la requête. Tôt ou tard, tous reviendront à la fréquence de l'amour du cœur du Créateur. Ainsi, personne ne sera exclu. En tant qu'enfant chéri de votre Créateur, vous êtes façonné à partir de la plus pure vibration d'amour. Et vous êtes destiné à y revenir un jour. Message du Seigneur Jésus, Sananda. Connaissant la gloire suprême de cette heure, je ne peux qu'inciter chaque enfant chéri de Dieu à se préparer pour ce jour glorieux. Quand viendra l'heure où l'appel du Père de Lumière touchera votre cœur, vous comprendrez aussi le véritable rôle des incarnations humaines. Il fallait préparer votre conscience à devenir un soleil de lumière à l'intérieur de vous, libre du cycle de la naissance et de la mort, ainsi qu'un maître de l'énergie et de la vibration. On demande à ceux qui sont intéressés de se rendre au temple de l'Ascension à Louxor et à Télos, afin de rapporter avec eux dans leur conscience cette énergie édifiante, joyeuse et jubilatoire qui représente l'activité de l'ascension. Si vous l'invoquez sincèrement, cette flamme pénétrera la substance profonde de vos corps subtils ainsi que votre forme physique et agira comme la levure dans la miche d'un pain. Lorsque la flamme pure et immaculée traverse la substance de l'aspirant, c'est-à-dire ses corps physiques, mentaux, émotionnelle et éthérique, elle active l'action vibratoire de l'atome. Chaque électron se meut alors plus rapidement autour de son pôle central. Cela entraîne un dégagement des substances impures ou discordantes entourant l'électron et une accélération du rythme de tous les véhicules. Ces véhicules deviennent alors plus sensibles aux vibrations subtiles des sphères supérieures. Leur conscience s'accorde à la vérité. L'attraction de la gravité s'atténue et les diverses croyances erronées ou déformées de l'ego se dissipent. Pour ascensionner à la maîtrise du soi, à la sagesse de Dieu, à la paix, à l'harmonie, à une santé parfaite et à des ressources illimitées et accessibles, le candidat à l'ascension doit apprendre à se reposer sur la présence de Dieu en son cœur. Les disciplines de la fraternité de l'ascension sont conçues pour détourner l'attention consciente du monde extérieur et la tourner vers l'intérieur, jusqu'à ce que, depuis le centre du cœur, le siège de votre nature divine s'exprime et qu'à votre guise, vous pouviez manifester tout ce dont vous avez besoin pour exprimer concrètement la plénitude de votre essence divine grâce aux feux ascendants de cette flamme royale. Méditation. Avec nos vénérables invités, les 12 membres de la Fraternité d'Ascension de Louxor,
nous vous invitons à vous joindre à nous pour un voyage vers le temple de l'Ascension à Telos. Si vous souhaitez vivre cette initiation, fixez-en l'intention dans votre cœur avec votre soi supérieur et vos guides. Prenez quelques instants pour vous préparer. Puis, suivez-nous pour vivre une expérience merveilleuse. Tout d'abord, visualisez une Merkaba de lumière blanche étincelante provenant de la cinquième dimension s'approcher de vous. Montez ensuite dans ce véhicule de lumière et prenez place. Quelques minutes pour vous centrer doucement sur vous-même, puis ressentez les énergies joyeuses et rayonnantes de cette flamme se déployer en vous. Au cours de ce voyage, efforcez-vous de respirer aussi profondément que possible en vue d'absorber la plus grande quantité des énergies de cette flamme et de les ramener dans votre conscience extérieure. Cette expérience représente une autre occasion de passer à un stade subséquent du processus de purification de chaque cellule, atome et électron, de vos différents corps subtils et de votre corps physique. Nous voilà arrivés au temple. Ce temple est une immense pyramide de lumière blanche scintillante. Elle est très élevée et présente quatre faces. Sa puissance et sa beauté sont à couper le souffle. Maintenant, descendez de la Merkaba et suivez-nous dans le hall de la Transfiguration. Vous serez présenté au guide de la Fraternité d'Ascension qui vous secondera au cours de cette expérience. De ce lieu saint. Nous vous encourageons également à prêter attention à votre guide et à lui poser des questions afin de clarifier tous les points que vous souhaitez éclaircir. C'est votre expérience. Façonnez-la à votre guise. Notre rôle consiste simplement à vous accompagner avec notre amour et notre sagesse. De temps à autre, le rayonnement des lieux est si intense que vous en êtes presque aveuglé.
vous passez maintenant dans un couloir d'une exquise beauté qui vous mènera à une chambre où se trouve l'accélérateur de particules atomiques. Tout en vous y dirigeant, vous croisez plusieurs êtres au service du temple et plusieurs autres qui le visitent également. Ils remarquent votre présence et vous saluent. Tous, à leur manière, vous souhaitent la bienvenue et vous accordent leur bénédiction. Vous voilà arrivé. Les gardiens de l'accélérateur de particules atomiques vous souhaitent la bienvenue. Vous pénétrez dans ce grand hall avec votre guide. Vous apercevez une pièce immense contenant des centaines de petites pyramides cristallines blanches, tournant autour du point central de la flamme, au centre de la pièce. Vous êtes subjugué par la splendeur et la puissance de la flamme immortelle de l'ascension. Cette flamme brille là, devant vous, et s'élève à près de 70 mètres, à partir d'une base mesurant près de 30 mètres de diamètre. Vous savez qu'une fois que vous en aurez fait l'expérience profonde dans vos corps énergétiques, vous serez transformé à jamais. En dépit de sa puissance bouleversante, la flamme n'émet aucun son, mis à part un chant mélodieux que produit son champ énergétique. Vous remarquez aussi que le doux parfum émanant des énergies de la flamme d'ascension élève votre fréquence. Accompagné de votre guide, vous marchez autour de la base de la flamme afin de recevoir les dons spirituels que vous êtes venu chercher aujourd'hui. Votre guide vous invite ensuite à pénétrer dans l'une des petites pyramides qu'il a choisies pour vous afin que vous puissiez vivre votre prochaine expérience. Voyez-vous, chacune de ces petites pyramides lumineuses contient un activateur atomique où vous pouvez vous asseoir confortablement. Cet activateur a pour but de vous permettre d'augmenter votre vibration à un niveau avec lequel vous êtes à l'aise. Souvenez-vous, vous êtes ici pour obtenir une petite poussée vous permettant d'atteindre le niveau subséquent. L'expérience sera différente pour chacun de vous. Le degré d'accélération obtenu correspond à votre niveau d'initiation et à vos dispositions. À vous d'utiliser cette expérience au meilleur de vos capacités afin d'avancer un peu plus rapidement sur la voie de l'ascension. La
accélérateur atomique accomplit exactement ce que son nom indique. C'est un fauteuil de cristal doué d'un dispositif qui induit la fréquence de la flamme de l'ascension chez ceux qui s'y installent. Comme plusieurs de vos instruments, il est possible d'en contrôler la fréquence. Une fois bien installé à l'intérieur, si vous méditez sur cette flamme en y répandant tout votre amour, vous serez infusé d'une fréquence précise. Votre guide connaît le degré précis d'accélération qui vous servira le mieux. Vous êtes toujours assis dans le fauteuil qui vous est réservé. Continuez à respirer profondément, tout en communiant avec votre essence divine et votre Créateur. Définissez vos objectifs d'ascension pour cette vie et ouvrez votre cœur à Dieu. Lorsque vous avez terminé, regardez votre guide dans les yeux et recevez l'amour qu'il vous accorde par le regard de son âme. Exprimez votre gratitude. Lorsque vous êtes prêt, levez-vous et dirigez votre conscience vers la sortie de la chambre. Avec votre guide, retrouvez le chemin de la Merkaba qui vous a amené ici. Ensuite, tout doucement, revenez à la conscience lucide. De les maintenir et de les développer. Nous vous aimons profondément. Cet amour vous accompagne chaque jour de votre vie, si vous le souhaitez. La flamme de résurrection.
une activité du sixième rayon. Message d'Adama. Dans son action et sa vibration, la flamme de résurrection n'est pas qu'une flamme de guérison. Son champ d'action est très vaste car il touche plusieurs niveaux et fréquences. Rappelez-vous du Maître Jésus il y a 2000 ans. À la fin de son incarnation physique, il a invoqué la flamme de résurrection pour ressusciter son corps mis au tombeau. Ce que cette flamme a accompli pour ce grand avatar, elle est en mesure de l'accomplir pour vous aujourd'hui. Cette expérience n'appartient pas à Jésus en propre. Il savait simplement comment se servir des énergies qui animent la vie. Puisque vous avez atteint un degré de compréhension plus avancé, il est temps que vous vous mettiez à l'employer par vous-même. Lorsque Maître Jésus disait « Je suis la résurrection et la vie », il ne référait pas à son identité humaine en incarnation. Il enseignait la loi suprême du grand « Je suis », résidant de la même façon dans le cœur sacré de chacun de vous, dans votre soi divin, qui n'est pas pleinement exprimé dans votre état de conscience actuel. Maître Jésus savait comment l'extérioriser, car il était totalement relié à son essence divine. Sachez que la flamme de résurrection est une énergie que vous pouvez facilement employer pour vous. Il suffit de vous concentrer sur elle, de l'invoquer et de jouer avec elle. Soyez créatif. En fait, vous pouvez ressusciter vos finances, votre corps, l'harmonie au sein de votre famille et un grand nombre d'autres choses que vous souhaitez voir s'épanouir dans votre vie. Les énergies de la résurrection n'ont aucune limite. Vous pouvez employer les mots « je suis », sachant qu'il s'agit là de l'aspect infini en vous, ou vous pouvez dire « depuis le Seigneur Dieu en mon être, je demande à recevoir une grande infusion de la flamme de résurrection dans chaque cellule, atome et électron de mon corps physique, de mon corps émotionnel et de tous mes corps subtils. Je souhaite guérir et ressusciter tous les aspects de ma vie. Énumérez les choses que vous désirez ressusciter, finances, talents, souvenirs, harmonie, etc. Il n'y a aucune limite quant à la manière d'utiliser cette énergie. Visualisez la flamme de résurrection comme une énergie d'un doré orangé, lumineuse tel un coucher de soleil d'été. Donnez-lui une réalité. Insufflez-lui la vie dans votre cœur et par la pensée, et elle prendra la forme que vous visualisez. Lorsque vous vous mettez à l'invoquer, plusieurs éléments susceptibles de contribuer à votre progrès spirituel vous viendront à l'esprit. Avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez, il faudra peut-être effectuer des modifications à votre conscience. En vous concentrant sur l'objet de vos désirs, ce qui doit être aligné vous sera révélé et, en modifiant votre conscience, votre vie s'améliorera. Votre soi divin vous indiquera les croyances et les attitudes erronées qui font obstacle à la manifestation. Elles vous seront dévoilées afin que vous y réfléchissiez et en tiriez une sagesse plus vaste. Il n'en tient qu'à vous de les identifier, de les admettre et d'effectuer des modifications qui s'imposent à votre conscience. Vous devez comprendre qu'on ne vous juge jamais sur vos erreurs. C'est vous qui portez un jugement. Quelques-uns opposent une telle résistance à l'assimilation des lois divines qu'ils choisissent, sur le plan de l'âme, de développer un cancer et d'en mourir afin d'acquérir leur sagesse. Par ailleurs, si une personne décide, toujours sur le plan de l'âme, d'avoir un cancer du même type pour se guérir et en tirer une leçon pour cette vie, elle pourra se guérir facilement et naturellement. Elle modifiera son régime alimentaire, son attitude relativement à la vie et aux gens,
elle se mettra à éprouver de la gratitude pour toute expérience et elle cultivera la joie et le pardon. Si elle s'y livre avec un sentiment de revitalisation et d'amour pour soi, une véritable guérison s'opère. Tout peut être guéri, absolument tout. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, par exemple la perte de votre maison dans un incendie, l'amputation d'une jambe après un accident, la cécité qui vous frappe, des pertes financières importantes ou une rupture douloureuse, que l'épreuve soit insignifiante ou atroce, plutôt que d'être furieux, déprimé ou amer, dites-vous, quelle leçon puis-je tirer de cette situation ? N'importe laquelle de ces leçons de vie apparaît parce que vous l'avez d'abord créée. Dieu ne vous envoie pas ces messages. Il s'agit du produit de votre usage approprié ou impropre, du libre arbitre qui crée consciemment ou inconsciemment votre réalité. La clé pour franchir les leçons que vous devez tirer des épreuves, c'est de vous y abandonner. Votre vie se transformera alors et vous n'aurez pas à vous débattre avec les mêmes leçons pour le reste de vos jours. Vous passerez à d'autres enseignements susceptibles de vous apporter un bonheur plus grand. Les leçons n'ont pas toujours à être assimilées à la dure. Elles seront toutefois difficiles pour ceux qui optent de les ignorer complètement, incarnation après incarnation. Prenez vos responsabilités et examinez vos leçons. Sachez que tout peut être transformé en quelque chose de merveilleux si on l'approche correctement. Par exemple, dans votre société, nombreux sont ceux qui continuent à maltraiter les animaux du fait d'être tellement dissociés de leur divinité et de l'unité avec toute la vie. Plusieurs personnes adhèrent encore à l'illusion que les animaux ne sont rien d'autre que des créatures inférieures. La manière dont vous traitez les animaux, infligeant à leur âme carnage, négligence, captivité, chaîne, expérience en laboratoire, etc., ne témoigne pas des qualités d'une société illuminée. Lorsque les gens maltraitent ou blessent des animaux, ils nient que ceux-ci sont faits de la même substance qu'eux, des électrons du Créateur. Chaque fois que vous blessez une forme de vie, peu importe ce qu'elle est, vous vous faites du mal à vous-même. Les animaux ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres. Ceux qui violent, polluent et contaminent la terre, ceux qui empoisonnent vos cours d'eau et qui vicient l'air que vous respirez, ceux qui laissent des traînées chimiques dans le ciel pour délibérément corrompre le souffle même de la vie, subiront les effets de leur propre création. Personne, non, personne n'échappe jamais à la loi de l'injustice divine. Personne n'est exempt d'avoir à affronter ses mauvaises réactions et d'avoir à équilibrer tout vers l'amour. Vous récolterez ce que vous avez semé. Une fois que l'humanité aura compris ce principe, elle cessera de détruire et créera avec amour. Reviendra à la perfection divine originelle. Méditation. Je vous invite maintenant à entreprendre un voyage de la conscience vers un temple miraculeux dans la cinquième dimension, le temple de la résurrection.
Connectez-vous à votre présence, je suis, par le cœur, et prenez quelques respirations profondes. Demandez à votre corps lumineux de descendre sur vous afin de vous emmener consciemment vers le temple de la résurrection. Il connaît le chemin. Maintenant, il est très important de formuler une intention claire à partir de votre cœur. Ce temple éthérique est immense. Il luit comme un soleil doré. Il est visible au loin et semble draper des vapeurs de ce soleil tout autour. Voyez une substance cristalline de soleil doré tirant sur l'oranger, se matérialiser sous forme de murs et de sol. À divers endroits, temple chatoie de la luminosité d'autres flammes, d'autres vibrations colorées. Votre essence divine vous emmène en ces lieux dans votre corps lumineux. Vous prenez graduellement conscience de l'endroit. Imaginez-vous que vous pénétrez dans un vaste hall. Hall de la résurrection. Il comporte plusieurs facettes, portes et pièces. De nombreux êtres provenant de dimensions variées y sont également présents car ils vibrent à une très haute fréquence. Nous sommes accueillis par un groupe de sentinelles pour notre visite. L'on vous mène dans des pièces destinées aux êtres de la troisième dimension, pièces qui respecte votre niveau d'évolution et votre seuil de tolérance vibratoire. Ce temple est bondé de monde, car de nombreuses âmes de cette galaxie et d'ailleurs s'y rendent chaque jour pour faire le plein de cette merveilleuse énergie. À votre tour maintenant, inspirez cette énergie merveilleuse de la flamme dorée et de la laisser pénétrer dans chaque molécule de votre être. Cette flamme vous aidera également à déployer votre conscience et à approfondir votre compréhension de la vie et de l'évolution. Inspirez et intégrez la conscience, l'énergie de la résurrection. Respirez dans chaque cellule, chaque atome et électron de votre organisme physique. Si vous employez régulièrement la flamme de résurrection, elle continuera de s'étendre et de se développer en vous pour l'éternité. Demeurez avec moi pendant un moment dans le hall de la flamme de résurrection, en compagnie des travailleurs du temple qui ont de bonne grâce accepté de vous accompagner. Des millions d'anges attachés à la flamme de résurrection s'occupent de l'humanité et pourvoient ses besoins jour après jour.
pouvez entrer en contact avec ces anges sublimes qui sont disposés à travailler avec vous individuellement, à s'occuper de vous et à vous chérir jusqu'à ce que vous ayez atteint la liberté spirituelle. Debout dans ce hall doré, vous apercevrez une multitude de flammes de résurrection dorées de toutes les formes et de toutes les dimensions, brillant pour aider à l'évolution de la Terre et de l'humanité. Elle brûle à perpétuité. C'est un autre aspect de la flamme de vie éternelle immanente du Créateur Source, qui seconde la vie et la planète non seulement dans la troisième dimension, mais dans l'ensemble des dimensions à la surface et à l'intérieur de la planète, dans les galaxies et l'univers. Vous pénétrez dans le hall et contemplez les merveilles qui s'offrent à vous. Vous rejoignez un cercle destiné aux habitants de la surface. Ce cercle est formé de flammes de dimensions et de formes diverses, ressemblant à des variétés de fleurs. En fait, il s'agit de sièges de résurrection, invitant les âmes qui visitent le temple à s'y asseoir pour faire pénétrer tranquillement les énergies dans leur corps. Choisissez-en un et installez-vous confortablement. Optez simplement pour celui qui vous attire. C'est comme s'il s'agissait de s'asseoir sur une fleur de lotus, mais ici, c'est une flamme de lotus. Observez comment cette flamme dorée enveloppe tout votre corps afin d'élever vos vibrations. Demeurez assis et contemplez les merveilles de cette expérience. Respirez profondément et absorbez tout ce que vous pouvez. Sachez que vous êtes protégé et chéri par les anges qui vous accompagnent et qui comblent vos besoins. Vous êtes maintenant prêt à formuler une requête en toute conscience. Que désirez-vous épurer? Ou encore, quels aspects de votre vie ont besoin d'être ressuscités? Respirez profondément. Concentrez-vous sur les différents aspects de votre vie qui demandent une épuration et une résurrection. Ayez conscience des sensations qu'elle dégage et de ses effets sur vous. Ressentez la joie qu'elle apporte à votre cœur. Assimilez au maximum de votre capacité cette expérience et sentez la légèreté qui vous envahit dans ce siège, comme si des anges vous emportaient.
l'intention d'élever votre vibration jusqu'à cette flamme merveilleuse, et elle vous assistera dans votre travail de guérison face aux nombreux défis et difficultés que vous tentez d'équilibrer. Vous pouvez également invoquer le Maître Jésus Sananda. Il pourra y ajouter un dynamisme et une intensité dans le processus, car il est aussi un des maîtres de cette flamme. S'il fut capable de ressusciter son corps et d'employer la même énergie pour faire revenir Lazare du royaume des morts, il peut certainement vous apporter un secours considérable. Ce qu'il a accompli est aussi à votre portée, mais vous devez accumuler votre propre dynamique sur une longue période. Il l'a fait. Une fois le processus complété, levez-vous de votre siège et revenez vers nous à l'entrée du hall de la résurrection. Puis, tout doucement, lorsque vous êtes prêt, revenez à la pleine conscience de votre corps. Finalement, revenez sur terre. La connexion perdurera. Ramenez cette énergie avec vous et sachez que vous êtes le bienvenu, que vous pouvez revenir vous asseoir sur un siège dans le temple de résurrection à votre guise. Chaque fois, vous en tirerez des bienfaits. Vous y rendre tous les jours, aussi souvent que le cœur vous en dit. Les élixirs d'immortalité proviennent de la flamme de résurrection. L'harmonie, une clé importante pour se qualifier pour l'ascension. Dernier conseil de Zohar. Salutations, bien-aimés frères et sœurs. Je suis Zohar, un maître ancien de la cité intraterrestre de Shambhala. Pour que l'humanité retrouve sa lumière, il est indispensable qu'elle adopte une attitude harmonieuse. Chacun doit s'y livrer sans hésitation. Et ceux qui, par leur arrogance, refuseront de le faire, mourront, tout simplement. Ces êtres n'auront pas la capacité de vivre dans les énergies de la nouvelle terre. Il s'agit d'un choix conscient. L'issue de votre évolution dépend entièrement des choix que vous effectuez au quotidien, à chaque instant de chaque jour. Vous, à la surface, approchez du moment que l'on nomme le grand rassemblement. Sachez que les forces qui régissent ce monde, les puissances du côté obscur, tentent d'empêcher cet événement à tout prix.
Vos gouvernements ne réalisent pas encore l'ampleur de notre intervention. Ils ne comprennent pas que finalement, ils n'ont aucun contrôle réel sur la situation et que leur règne tire à sa fin, une fin qui sera forcément tragique. La bulle de leurs illusions éclatera bientôt et ils auront à rendre des comptes. Désormais, distanciez-vous de ceux qui n'ont pas le désir de vivre en harmonie. Voici quelques conseils dans ce sens. Efforcez-vous de demeurer dans un état harmonieux avec l'ensemble de la création, car l'absence d'harmonie entraîne inévitablement la discorde et la destruction. Demeurez en harmonie, même si quelqu'un tente de vous faire du tort. Bénissez-le, mais ne consentez pas à ce qu'il fasse partie de votre réalité. Et, face à une situation discordante, prenez vos distances. Rien ne vous oblige à rester là où l'harmonie ne règne pas. Cherchez la vérité et l'harmonie en tout temps, et ne consentez plus jamais à dévier de cette règle de vie, ou alors vous en subirez les conséquences à très court terme. Afin de produire les changements et les transformations que vous espérez, les nouvelles énergies acquièrent désormais une force et une intensité telles que ceux qui résistent s'auto-détruiront. Libérez-vous de tout sentiment d'animosité et de culpabilité. Ne vous désolez jamais de ce que vous êtes ou de ce que vous vivez à cause de l'équilibrage de vos dettes karmiques. Cherchez plutôt à vous améliorer sans cesse. L'harmonie devrait toujours être la priorité dans votre vie. Soyez certain qu'elle vous ouvrira les portes de l'ascension. Vous saurez lorsque vous aurez atteint ce niveau, parce que plus rien ne vous dérangera. À partir de ce moment-là, peu importe ce que diront ou feront les gens, vous n'en souffrirez pas. Une personne en harmonie totale avec elle-même accepte inconditionnellement ce qui est. Une fois que vous y serez parvenu, vous serez prêt à l'ascension. Soyez assuré que je serai là pour vous accueillir et pour clamer votre victoire dans la lumière. Namasté, ami bien-aimé. Je vous aime tant. ADA Audio vous a présenté le troisième tome de Telos, Protocole pour la cinquième dimension, par Aurélia Louise Johns. À la narration, Vincent Davy et Daniel Panton. Choix des textes et adaptation pour l'audio, Cécile Roland et Jacques Gladue. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Jean-Philippe Poirier.